Donc, bonjour à tous, je vous invite aujourd'hui à découvrir cette belle villa construite au début des années 90 à Montesco, proche du centre du village et des commodités. Elle fait environ 154 mètres carrés sur une parcelle d'environ 1400 mètres carrés. C'est parti! Donc ici, vous avez un abri avec deux véhicules possibles. Un petit sas d'entrée. Nous voici dans la maison. Dans l'entrée, nous avons un WC avec un lave-main, un placard. Nous nous dirigeons du côté de la salle à manger, avec un placard également, attenante à la cuisine. Voilà, l'ensemble, comme vous pouvez le constater, est très lumineux, puisque la plupart des pièces sont exposées sud à sud-ouest. À l'arrière de la cuisine, un espace cellier buanderie, avec deux fenêtres. Vue de la cuisine dans l'autre sens, face au jardin, à la terrasse et à la piscine. Voilà. Là également, vous avez la possibilité d'installer plus tard un poêle à bois ou un poêle à granules. Nous repartons dans le séjour, qui fait une cinquantaine de mètres carrés, avec ces petites marches qui créent des différences de niveau propices à un aménagement personnalisé et chaleureux autour de la cheminée munie d'un insert. Voilà une vue dans l'autre sens depuis l'entrée de la chambre parentale, qui fait environ 16 mètres carrés avec la longueur des placards sur un pan de mur, la climatisation et également donc l'accès au jardin. Chambre parentale puisque une salle d'eau est communicante avec une cabine de douche, un WC et une fenêtre. Nous allons à présent passer voir la partie nuit qui se trouve à l'étage. Nous prenons un escalier en bois aérien sans contre-marche. Voici le palier, la première chambre. Ce sont trois chambres qui font environ 10 mètres carrés chacune. Elles ont chacune la climatisation. En face de la première chambre se trouve la salle d'eau, celle de l'étage, avec une fenêtre oscillo-battante dans la cabine de douche et un WC également. La deuxième chambre, avec un placard vue sur la piscine. Et la troisième chambre, voilà, la visite de cette maison touche à sa fin. J'espère que cela vous aura plu. Et si vous avez des questions ou besoin d'informations complémentaires, n'hésitez pas à nous appeler, nous nous ferons un plaisir de vous les communiquer. À bientôt pour une prochaine vidéo.